Claude? Claude, va au compteur! Tu me remets le général, c'est encore tombé. Louise? Claude, Claude, la canne à pêche, avec l'épuisette. Allez. Claude, Claude, allez, les provisions là. Et passe-moi les provisions. Voilà. Eh bien. Allez! Tu me laisseras monter les mouches? Je peux le faire, je ferai ça bien, oui. Triple nœud sur l'hameçon. Double sur la queue de rat. Non, la soie. N'ai pas oublié. Triple nœud pour. Non, nœud de baril pour le bas de ligne. Allez, Claude, allez. Et comment je dois te le dire? Descends! Allez. Tu me laisses jamais le faire, mais je sais que je peux. Tout doucement, tout bien et tout. Hey, je te promets. Je peux le faire. Je sais, promis, tu feras la première, d'accord? Allez, viens. Je ferai ça bien. Pas comme la dernière fois. Voilà. Promis, pas comme la dernière fois. Papa, ton chapeau! Si ça mord bien, je peux en garder une? Une quoi? Une carpe. Non, non. Une truite. Non. Une ombre, oui, une ombre. Je peux en garder une si on l'attrape? Un ombre. Pour en faire quoi? Un ombre, pour le nourrir. Je m'en occuperai bien, promis. Les ombres, il n'y en a pas ici. Mais si, tu m'avais raconté que la dernière fois... Je dis qu'il n'y a pas d'ombre! Tais-toi. Fatigue.
Mais t'as trop grandi, c'est pas possible. Voilà. Allez, pousse. Je pousse. Allez. Voilà, encore un bon coup, là. Voilà. Voilà, c'est mieux comme ça. Respire. Et calme-toi. Oh! Ta ligne, écarte ta ligne de la mienne, là. Allez! Arrête-toi à l'oreille. Je te dis à l'oreille. Hey, regarde, regarde ce que t'as fait! Lâche ta canne, lâche ta canne! Donne-moi là! Je me suis arrêté à l'oreille, non! Donne-moi ta canne! Non, je peux le faire, je sais le faire! Donne-moi! Attends, donne-moi ça! Lâche ça! Et qu'est-ce que je vais faire de toi? T'écoutes jamais, mais merde, t'écoutes jamais rien! Je me demande bien ce qu'il y a là-dedans! Ça seul le bon Dieu le connaît! On rentre à la maison! J'ai envie de rentrer à la maison, j'ai envie de voir maman! Ta mère, elle est plus là! Il reste plus que nous deux maintenant. Je veux rentrer voir maman maintenant. Elle nous attend. Maman, elle est partie, t'entends? Elle est morte, ta mère, elle est morte! Je te dis, elle est morte, tu comprends ça? Tu comprends? Hein? Oh, Pierre! C'est toi? Ouais! Ça va bien? Ouais, ça va, merci. Ça mort? Ouais, pas trop, pas trop. Mais tu pêches à la noyée aujourd'hui? Avec ce temps? C'est à la sèche qu'il faut que tu pêches. Tu m'en donneras des nouvelles. Ouais, ça marche, ça marche. J'ai jamais pu blairer ce con. Allez, calme-toi. Calme-toi, viens. Calme-toi, ça va aller. On rentre à la maison, d'accord? Tiens. On rentre à la maison. Papa, tu me racontes d'où viennent les ombres? Il y a très longtemps, il y a des oiseaux qui vivaient ici. Des êtres magnifiques, avec des ailes de toutes les couleurs. Ils aimaient voler bas et raser la surface de l'eau pour chasser des poissons. Le reflet de leurs ailes, qui étaient très colorées, les trompait. Et du coup, ils se noyaient. L'un puis l'autre mourait ainsi. Jusqu'au jour où il n'y en a plus un seul. Les années sont passées, et du coup on les a oubliés. Mais un jour, des nouveaux poissons sont apparus. Et on a dit alors que c'était des oiseaux morts, qui étaient devenus des poissons. Des poissons aux étendards colorés.